learn and play al'ab wa ata'allam hayya bina Salam alaykum les enfants. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer comme à notre habitude dans une minute, inshallah, ou dans même 40 secondes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين donc les enfants, j'espère que tout le monde se porte bien. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il vous fasse, qu'il fasse qu'il, que vous soyez parmi ses serviteurs pieux et qu'il fasse que l'on se réunit tous dans le Firdaus, dans le plus haut degré du paradis. Alors nous continuons notre série de cours sur Alamul Malaika, le monde des anges. Le monde des anges qui est un monde magnifique. Et nous avions évoqué plusieurs choses concernant les anges. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet très très important, qu'il est très important de comprendre, c'est que parmi les pouvoirs, parmi les capacités qu'Allah Ta'ala a donné aux anges, c'est qu'ils ont la possibilité de descendre sur terre et d'avoir l'apparence d'un être humain. Ceux qui ont vu les anges, ils les ont vus et ils ont cru que c'était un être humain. Et nous allons donner plusieurs exemples dans le cours d'aujourd'hui où certains êtres humains ont cru voir d'autres êtres humains, mais en réalité c'était des anges qui ont pris l'apparence, l'apparence d'un être humain. Alors la première histoire, donc aujourd'hui, le cours, ce sera plusieurs petites histoires. Bon, certains, certaines histoires seront plus longues que d'autres. Et toutes ces histoires, pourquoi nous allons les raconter Nous allons avoir le même but, le même objectif. C'est de prouver que les anges prennent et ont la capacité de prendre une apparence humaine. La première histoire que nous allons citer, c'est l'histoire d'une des quatre meilleures femmes du paradis. Alors, qui connaît les quatre meilleures femmes du paradis? Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, anhu, anhuma, qui était un enfant, qui a grandi avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi auprès de lui et il a appris la religion auprès de lui. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé quatre traits sur la terre il a tracé quatre traits et vous aussi si vous avez une feuille devant vous et un stylo ou même avec votre doigt, tracez les quatre traits comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa il a dit Savez-vous ce que signifient ces quatre traits Alors les compagnons, ils ont répondu, Allahu wa alam. Allah et son messager en sont plus savants. Et ça, c'est un point important, les enfants. Lorsque on vous pose une question, lorsque je ne sais pas quelque chose, je ne réponds pas n'importe quoi. Certains enfants, ils veulent avoir réponse à tout. Ils veulent connaître tout. Tu vas, peu importe le sujet que tu vas parler, faut qu'il répond, faut qu'il donne une réponse. Non. Le musulman, lorsqu'il ne sait pas, il ne dit pas n'importe quoi. La religion, c'est pas un quiz. La religion, c'est pas un jeu. C'est pas, je veux toujours avoir raison. Non. Je ne sais pas, je dis, Allahu A'lam. Allah est le plus savant. Je ne sais pas, je dis la adri, ma adri, ana mudri. peu importe comment tu le dis, mais tu dis que tu ne sais pas. Parce que le musulman, il ne sait pas tout, mais on apprend. Donc ça, c'est un point important. Comme l'ont fait les compagnons, ils ont dit Allah. Alors écoutez, ce qu'a dit le prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit nisa' Ia ahlil jannah nisa' ia ahlil jannah Les meilleures femmes des gens du paradis Les meilleures femmes du paradis Et il a cité les quatre femmes La première Khadija bint Khuwailid Vous pouvez répéter خديجه بنت خويلد. La deuxième فاطمه بنت محمد. فاطمه بنت محمد. Donc, la première, c'est خديجه بنت خويلد. La première femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Et pour ceux qui veulent connaître son histoire, j'ai déjà raconté son histoire, elle est disponible dans le site internet où il y a la série sur les femmes du prophète alayhi wa dans la catégorie rappel, vous pourrez l'écouter avec vos parents. La deuxième c'est Fatima bint Muhammad فاطمة لفي جيب محمد صلى الله عليه وسلم لا مريم بنت عمران غبتي مريم بنت عمران مريم لافيد عمران مريم كيت لا مخ جب عيسى عليه السلام Donc là, on comprend que le grand-père du prophète Isa, alayhi salam, il s'appelle Imran. Et la quatrième, Asiya bintu Muzahim Répétez, Asiya bintu Musa'im. Imraatu Fir'aoun, qui était la femme du Pharaon. Qui était la femme du pharaon. Donc et il est important aussi. Et bien, j'aimerais un jour vous raconter l'histoire de ces femmes-là, et notamment l'histoire de Ainsi Abin toumouzahim la femme du pharaon. Cette femme qui habitait dans un palais. Elle habitait dans un château, mais elle a refusé. Ce bas monde. Elle a refusé ce palais. Elle a refusé ce, ce bas monde et elle a préféré. Elle a préféré habiter dans le paradis. Lorsque son mari le pharaon lui a demandé de, de lui de l'adorer lui et de ne pas adorer Allah, elle a refusé. Et lorsqu'il l'a menacé de la tuer, et il l'a tuée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aurait pu dire. Ah ben non, ben je quitte l'islam et comme ça je reste dans mon château, je reste dans mon palier, dans mon palais, je reste avec mes belles robes et mes bijoux. Mais non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ce qu'il y a dans cette vie le plus important. Les enfants, retenez toute votre vie, que cette vie auprès d'Allah, elle ne vaut même pas le poids de l'aile d'une mouche. Tout ce qui est dans cette vie auprès d'Allah, ça n'a aucune valeur. Donc, toutes les belles voitures, les beaux habits, tout ça en réalité, je ne dois pas avoir ça dans mon cœur. C'est pas mal d'avoir de l'argent, c'est pas mal d'avoir une belle voiture ou une belle maison. Non, on ne dit pas cela. Mais c'est pas ça notre priorité. Et regardez ce qu'elle a dit à Asiya, Muzahim, lorsque son mari était sur le point de la tuer, lorsque l'armée du pharaon était sur le point de la tuer, elle a dit, Rabbi Binini Indak, Beitan Oh Allah, constru elle a dit, oh Seigneur, construis-moi auprès de toi. Elle a déjà choisi le voisin. Construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de raconter l'histoire. Donc, retenez les quatre meilleures femmes du paradis Khadija, Fatima, Mariam, Asiya. Khadija, Fatima, Mariam, Asiya. Khadija, bint Khoeyled, Fatima, bint Muhammadin, Mariam, bintu Imran, Asiya, bint Muzahim. Revenons à notre histoire qui nous prouve que les anges ont la capacité de prendre la forme humaine. C'est lorsque les anges sont venus, lorsque les anges sont venus voir Mariam, lorsque les anges sont venus annoncer à Mariam la naissance d'un fils. Qui était le fils de Mariam? Isa. عليه السلام الله تبارك وتعالى، الجيد القرآن dans "واذكر في الكتاب مريم"، إي رافال dans le livre, dans le قرآن مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، lorsqu'elle s'écarta de sa famille et se dirige en se dirigeant vers l'est، فاتخذت من دونهم حجابا، Mariam, alayhi salam, elle a mis entre elle et les gens un hijab, un voile. « Et nous lui envoyâmes notre esprit. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a envoyé à Mariam l'ange et Écoutez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dit à propos de l'ange Jibril. Et, l'ange, il a pris, il, a, il est venu à Mariam sous la forme d'un homme parfait. Sous la, sous la, forme d'un homme parfait. C'est-à-dire qu'Allah il a envoyé l'ange Jibril, salam. il est venu voir Mariam, parce que Mariam, lorsqu'elle est née, la mère de Mariam, elle a, elle a voué cette fille au service du temple à Beit el-Maqdis ainsi qu'au prophète Zachariah elle a offert, elle a mis cette fille entre guillemets elle a dit cette fille elle va que adorer Allah Azza wa jall. et c'était au temps du prophète Zachariah alors elle l'a mis elle a grandi dans ce temple qui est, qui s'appelait Beit el-Maqdis et elle adorait Allah Tabaraka wa Ta'ala sans cesse et Mariam n'a jamais n'a jamais été marié. Et si, si une femme n'est pas mariée, elle ne peut pas avoir d'enfants Mais lorsqu'Allah Azzawajal décide, Allah est capable de toute chose. Alors Allah Tabaraka Wa Ta'ala, il a décidé d'envoyer l'ange Jibril, alayhi salam, sous l'apparence d'un homme. Et l'ange Jibril, alayhi salam, il est venu il est venu voir Mariam en lui disant, en lui disant, tu vas avoir un fils. En lui disant tu vas avoir un fils. Alors Mariam, en lui disant qu'Allah Azzawajal allait lui donner un roulin man un enfant, un enfant, un fils pur. Alors Mariam, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a recherché protection auprès d'Allah, auprès du tout miséricordieux contre cet homme, parce qu'elle ne savait pas que c'était Jibril. Elle ne savait pas que c'était Jibril, ce qui nous prouve encore une fois que Jibril a pris l'apparence d'un être humain, parce que elle, Maryam, elle pensait que c'était un, un homme. Alors elle a demandé à Allah, ta'ala, elle a demandé à Allah Azza wa de la protéger contre cet homme. Mais il lui a annoncé, il lui a annoncé la naissance d'un fils, d'un fils pur. Il lui a dit Je suis qu'un messager de ton Seigneur. Il lui a dit Ana Rabbik. Il lui a fait comprendre que je ne suis pas un être humain, mais je suis un ange qui a été envoyé par Allah wa ta alors Mariam de répondre, mais comment pourrais-je avoir un fils alors que je ne suis mariée à aucun homme et que je ne suis pas une mauvaise femme, une femme qui vend son corps, je ne suis pas comme ça. Alors, Allah Allah, Jibril, alayhi salam, de répondre à Mariam, il lui dit il lui a dit, il lui a dit que c'est Allah Azzawajal qui a décidé comme cela. Et que Allah, il a dit, cela est facile pour lui. C'est facile pour Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait ce qu'il veut. Allah Tabaraka wa Ta'ala crée ce qu'il veut. Et c'est une affaire décrétée, c'est-à-dire que Jibreel, alayhi salam, il a simplement dit une chose qu'Allah jalla avait décidé, avait prédestiné. Et la Mariam a eu dans son ventre Isa. Et Isa, alayhi salam, il est né alors qu'il n'avait pas de père. Et là, on comprend qu'il y a, et ça aussi, retenez-le les enfants, c'est important. Il y a, dans le monde, il y a eu quatre types de naissances. La première naissance, celle que l'on connaît. Quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère. Comme toi et moi. Tu as eu un papa et tu as eu une maman. Peut-être que tu as encore ton papa et tu as encore ton, ta maman. Peut-être certains ont une maman et n'ont plus de papa. D'autres ont un papa et n'ont plus de maman. Mais à la base, ton papa s'est marié avec ta maman et tu es né. Donc ça c'est simple, c'est facile à comprendre pour nous. Le deuxième type de naissance qu'il y a eu, ah, c'est quelqu'un qui est né sans père et sans mère. Comment Sans père et sans mère C'est Adam, alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Allah azza a créé Adam. Et Adam, il n'a eu ni de père ni de mère. Puisque lorsqu'Allah l'a créé, Adam il était déjà adulte. La troisième type de naissance, c'est quelqu'un qui est né d'un père mais sans mère. Oh, comment? Quelqu'un qui est né d'un père mais sans mère? C'est Hawa, la femme de Adam. Hawa, la première femme. Des, parmi les êtres humains. Pourquoi? Puisqu'Allah, tabaraka ta'ala, a créé Hawa à partir de Adam. Hawa, elle est sortie de la côte de Adam. C'est comme si que Adam, c'est son père. Mais elle n'a pas eu de mère. Et la quatrième naissance, c'est quelqu'un qui est né avec une mère, mais sans père. Et c'est l'histoire que l'on a citée. L'histoire de Isa. Donc, cette histoire, les enfants, elle nous prouve que les anges viennent descendre sur terre et prennent l'apparence d'un être humain. Également, la deuxième histoire que l'on peut citer pour le cours de ce soir, vous vous souvenez lorsque l'on a cité que l'ange Jibril, l'ange Mikaïl et l'ange Israfil sont venus rendre visite au prophète Ibrahim, alayhi salam. Et ils sont venus sous une forme humaine. Et Ibrahim, alayhi salam, n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu que c'était des anges. Parce qu'il ne lui avait pas dit tout de suite, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a préparé à manger, il a préparé un repas, il a fait rôtir un veau, et il leur a présenté. Et vous vous souvenez, on avait cité cette histoire pour prouver que les anges ne boivent pas, ne boivent pas, les anges ne mangent pas, et les anges ne se marient pas également. Mais ensuite, nous n'avions pas continué l'histoire. Donc là, nous allons continuer l'histoire. Lorsque les anges sont venus annoncer la naissance de Ishaq, du fils de Ibrahim, du deuxième fils de Ibrahim, qu'est-ce qu'ils ont fait après? L'ange Jibril, l'ange Michael et l'ange Israfil. Ils sont partis vers le peuple du prophète Lot. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une autre apparence. Donc là, on apprend aussi de cette histoire que les anges prennent aussi l'apparence de beaux garçons. Ils se sont mis dans l'apparence de très, 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 très beaux garçons. Et ils sont partis pour voir le prophète l'autre. Alors pourquoi ils ont pris l'apparence de beaux garçons Pour éprouver le peuple de l'autre. Parce que le peuple de l'autre, il faisait un péché. Un péché horrible, un péché très grave. Vous savez ce qu'il faisait Eh bien, les hommes, au lieu de se marier avec les femmes, ils se mariaient avec les hommes. Les hommes, au lieu d'aimer les femmes, ils aimaient les hommes. Et ça, c'est un péché qu'Allah Ta'ala ta a interdit. Qu'Allah Ta'ala ta a Interdit. C'est pour cela que les anges, ils se sont mis sous l'apparence d'un très, de très très beau jeune homme. Ils ont été, ils ont été dans le peuple de l'autre. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète l'autre, alayhi salam, et c'était quasiment à l'heure du Maghrib, à la tombée de la nuit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le prophète l'autre, alayhi salam, et il les a accueillis chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre L'autre, il a eu très peur pour eux. Il a eu peur que les autres, parce que l'autre, il a cru que c'était des êtres humains. Et là aussi, on, on, on en tire de leçons que les anges prennent la forme d'un être humain. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des êtres humains, mais quelqu'un qui les voit, il est persuadé que c'est un être humain. Comme l'a fait le prophète Lot. Il était persuadé, il était sûr que c'était des êtres humains. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a eu peur. Il a eu peur pour eux. Il était très très gêné. Il a dit oh, c'est un jour terrible aujourd'hui, parce qu'il avait peur que son peuple, il avait peur que son peuple leur faisait du mal. Alors, il a voulu les cacher, il a voulu les cacher. Mais la femme de l'autre, la femme du prophète l'autre, qui était méchante, comme la femme du prophète Nour, ce sont deux femmes qui étaient mariées à un prophète, mais ils n'ont pas écouté l'ordre d'Allah. Ils ont désobéi à leur mari et ils ont désobéi à leur prophète. Et la femme de l'autre, elle a divulgué. Elle a dit à tout le monde, venez. Il y a de très beaux garçons. Alors ils sont tous venus. Le peuple, ils sont venus. Ils ont mis dans la gêne le prophète l'autre, alayhi salam. Mais ils ont cru vouloir faire du mal. Ils ont cru vouloir faire du mal à ses invités. Mais ils ne savaient pas que c'était des anges. Et les anges, ils sont venus pour avertir à l'autre que leur peuple, il allait être châtié. Que leur peuple, il allait être puni par Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azzawajal a décidé de les punir. Et est-ce que vous savez comment Allah, tabaraka wa ta'ala, les a punis? Alors, on a dit que les anges, ils sont venus annoncer cela. Voilà, tombée de la nuit et ils ont dit qu'Allah il, il, allait, il allait les punir au petit matin alors ils ont dit à l'autre de prendre sa famille et sa femme qui a désobéi elle est restée et ils ont quitté le lieu et au petit matin Allah a fait descendre sur eux son châtiment il les a aveuglés il les a aveuglés et certains savants rapportent que Djibril, alayhi salam, il a frappé leur visage avec un seul battement d'aile. On a dit qu'il avait 600 ailes. En un seul battement d'aile, le battement d'aile c'est quand l'ange ou l'oiseau qui a des ailes va lever ses ailes et va les refaire tomber. Ça s'appelle un battement. En un seul battement d'aile, ils sont tous devenus aveugles. Certains disent que leurs yeux sont même sortis, leurs yeux sont même sortis, ils ont disparu, leurs yeux ont disparu tellement le battement d'elles était violent. Et ensuite, et ensuite c'est pas fini, Allah Ta'ala a ordonné aux anges de soulever leur tribu, de soulever leur peuple, leur peuple, et montez jusqu'au ciel. Imaginez-vous cette scène. Regardez la puissance d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, à quel point il a détruit le peuple de l'autre, alayhi salam. Lut, il s'est caché au sommet des montagnes. Et lorsque le soleil se leva, le châtiment s'est abattu sur eux. Allah a ordonné aux anges, en un battement d'aile également, d'arracher leur village. Il y avait sept villages, et il y avait beaucoup d'habitants. En un battement d'ailes, l'ange Gabriel Alayhi a battu de ses ailes, et il a arraché leur village. Leur village est monté jusqu'au ciel, jusque les anges dans le ciel. Ils ont entendu le bruit des coqs, et les aboiements de leurs chiens. Ensuite Allah Azzawajal, une fois qu'il les a montés, ils sont devenus aveugles. Il les a montés tout en haut, il les a retournés. Il a retourné ce peuple à l'envers et il les a éclatés par terre. Regardez comment Allah Azzawajal, il a détruit le peuple de l'autre. Et également, pendant qu'ils étaient en haut, Allah il a fait descendre sur eux une pluie de pierres. Chaque pierre, elle avait une personne, un nom. Elle avait un nom ou une pierre. C'était des pierres dures, solides, et elle avait un nom. Et la pierre s'abattait directement sur elle. Les pierres, une pluie de pierres s'est abattue directement sur elle. Et vous avez vu quand vous êtes dehors et il pleut. Ben, imaginez-vous que ce ne sont pas des gouttes, parce que la pluie qu'Allah nous fait descendre, c'est une pluie de miséricorde. Lorsque vous regardez un nuage, vous savez les enfants qu'un nuage il pèse des tonnes et des tonnes. Imaginez Allah, il aurait fait descendre tout l'eau qu'il y a dans le nuage d'un coup sur nous, et ben on serait tous morts. À une pluie, en une pluie, on serait morts. Mais Allah, il nous fait des, descendre des toutes petites gouttes, puisque dans le nuage il y a des tonnes d'eau. Imaginez tout l'eau elle descend sur toi, tu es écrasé. Mais Allah, il est gentil, il est miséricordieux envers nous. Il nous descend des petites gouttes, on, ça nous fait même pas mal. Et bien là, ces gens-là qui ont rendu Allah en colère, il leur a descendu une pluie, une pluie de, de pierres, une quelle mauvaise pluie, comme Allah wa le dit, et Allah azza wa jalla il a détruit le peuple de l'autre. Donc voilà pour cette, euh, cette histoire également qui nous prouve qui nous prouve qu'Allah, a donné comme capacité aux anges de se euh, de se mettre sous l'apparence sous l'apparence de de jeunes hommes de beaux de beaux garçons etc. alors parmi les choses que l'on peut dire aussi et ça c'est très important de le connaître les enfants c'est que l'ange Jibril alayhi salam, lorsqu'il descendait sur terre Lorsqu'il venait voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il venait sur différentes formes. Des fois, il venait, il prenait l'apparence d'un bédouin. Un bédouin, c'est ceux qui habitent dans, dans les déserts, etc. Et des fois, il venait sur l'apparence d'un compagnon qui s'appelait Dihiya. Kelbi. Retenez ce nom. Dihya, vous pouvez répéter. Dihya El Kelbi. Dihya El Kelbi. Alors Dihya, Ibn Khalifa El Kelbi, on va l'appeler Dihya El Kelbi. C'était un compagnon qui était connu pour sa beauté. Et les Arabes, lorsqu'ils voulaient dire que quelque chose ou que quelqu'un est beau, il disait il est beau comme Dihya. Parce que Dihya, il était connu, radiyallahu anhu, comme étant très très beau. Et Dihya el-Kalbi, était un noble compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on peut en tirer quelque chose de très important. Comme le prophète Yusuf alayhi salam. Le prophète Yousouf, alayhi salam, il était très beau. Il était très, très beau. Et malheureusement, des fois, lorsqu'Allah donne la beauté à un garçon ou à une fille, et eh ben, ça y est, ils pensent que c'est eux les plus beaux de la classe, les plus beaux de l'école, ou les, ou les plus belles, et elles vont jouer les belles ou les beaux, et ils vont même essayer que tout le monde, il les regarde, que tout le monde, il veut les aimer, il veut être amoureux ou amoureuse de lui. Et ça, ça, ça risque de mettre Allah en colère. Parce que le musulman, il n'est pas amoureux ou amoureuse tant qu'il n'est pas marié. Donc attention, tu dois attendre d'être marié. Et quand tu seras marié, tu pourras aimer, tu pourras aimer ta femme et tu pourras aimer ton mari. Il n'y a pas de mal à cela. Mais ce n'est pas parce qu'Allah, il t'a donné une beauté. Ce n'est pas parce que tu es beau ou parce que tu es belle ou parce que tu as des beaux habits ou parce que tu as un beau sac ou ceci ou cela que tu dois faire des choses qu'Allah ne t'a pas autorisé. Alors, Dihya el-Kalbi, retenez le nom de ce noble compagnon. Ce compagnon radiallahu anhu, qui a obéi à Allah, qui a obéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a même participé à la bataille de Khandak. Et certains, je ne suis pas sûr de l'authenticité de cela, mais certains disent qu'il a participé à la bataille de Uhud. Dihya el-Kalbi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a choisi pour l'envoyer à Kaïsar. Vous savez qui est-ce Qaysar Kaysar. c'était le roi des Romains que l'on appelle le César. Qaysar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné d'écrire une lettre et de lui envoyer. Et il a envoyé Dihya el-Kalbi pour s'adresser. Et également, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez une de ses épouses qui s'appelle Um Salama. Répétez, Oum Salama. Et celui qui veut connaître la vie de Um Salama, la même chose, j'ai raconté durant le confinement dernier l'histoire de la vie de Um Salama, vous pourrez elle est coûtée, elle est disponible sur, sur le site. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez Oum Salama. Et Oum Salama, elle a vu un homme qui est rentré chez elle. Et il a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme c'était qui En réalité c'était l'ange d'Ibril. Mais Oum Salama elle ne le savait pas. Alors, à la fin, quand il est parti, le prophète alayhi wasallam, a dit à Um Salama Man qui est-ce Alors, elle a dit bah, Pour moi, c'est Dihya el-Kalbi. Je suis certaine que c'était Dihya el-Kalbi qui était là. Et le prophète alayhi wasallam, ne lui a rien dit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa a parlé à ses compagnons, il a dit que Djibril était venu me voir. Alors elle a compris qu'en réalité, l'homme qui était chez elle n'était pas Dihya el-Kalbi, mais c'était Djibril alayhi salam, qui a pris la forme ou qui a pris la forme humaine et qui ressemblait à Dihya el-Kalbi. Ça ne veut pas dire que l'ange Djibril, il s'est incarné, il est devenu être humain, il est devenu Dihya el-Kalbi, non mais il ressemblait fortement à Dihya el-Kalbi. D'accord Ça c'est important, c'est resté un ange, mais il a pris une forme humaine. Également, l'ange Jibreel alayhi salam, des fois il est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que ceux qui étaient autour ne le voyaient. Aisha, qui était aussi une des femmes du prophète wasallam. et encore une fois celui qui veut connaître l'histoire de Aïcha il peut l'écouter sur les cours que l'on avait fait pour les adultes mais même si vous êtes des enfants vous allez comprendre l'histoire des femmes du prophète alors un jour Aïcha elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, en train de mettre poser sa main sur la crinière d'un cheval et il discutait comme si qu'il discutait avec le cheval parce qu'elle ne voyait personne sur le cheval. Alors à la fin, elle est venue le voir, elle lui a dit mais pourquoi tu parles avec le cheval Et le prophète alayhi wasallam, lui a dit non, c'est Jibril. C'est Jibreel, alayhi salam. C'est alayhi salam, qui était là. C'est-à-dire que Jibreel, alayhi salam, il était là, mais, euh, Aisha, anha, elle était, elle ne, euh, elle, elle ne s'en est pas aperçue. Elle ne s'en est pas aperçue. Également, parmi les histoires, il nous reste deux histoires, les enfants. Et ensuite, je vous laisse, je vous laisse tranquille. Je sais que c'est pas facile d'écouter. Longtemps le cours, mais il y a deux histoires que je veux vraiment vous raconter, les enfants. La première histoire qui nous prouve aussi qu'un homme, qu'un qu ange est venu sous la forme d'un être humain, c'est l'histoire de l'homme. Et je suis sûr que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a tué. 99 personnes. Cet homme, il a tué 99 personnes. Imaginez-vous les enfants, un criminel. Cet homme a tué 99 personnes. Déjà tuer une personne, c'est très grave. Mais imaginez, il a tué une, deux, trois, 99. Et ça, c'est qui qui nous raconte cette histoire Qui est-ce qui nous raconte cette histoire C'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que parmi les gens qui étaient avant nous, il y avait un homme qui a tué 99 personnes. Mais cet homme, dans son cœur, il a voulu qu'Allah le pardonne. Et ça, les enfants, c'est très bien. Même si on a fait des bêtises. Même si on a dit des gros mots, même si on a fait des, des, des bêtises à l'école, même si on a mis en colère nos parents, même si on a fait de graves bêtises, sachez qu'Allah il pardonne tous les péchés. Si tu lui demandes le pardon, Allah il pardonne tous les péchés. Donc il est important de toujours, toujours dire « Astaghfirullah. Wa'atoubou Ilaï. Répétez. Estar wa Wa'atoubou Ilaï. Alors cet homme, il a voulu savoir qui était le plus grand savant de la terre. Alors ils lui ont dit, écoutez, nous on connaît un moine, un abide, quelqu'un qui adore Allah, va le trouver. Alors, il a été voir cette personne, ce moine ou ce abide, il a été le voir et il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Est-ce que je peux demander à Allah de me pardonner? Est-ce qu'Allah, il va me pardonner? Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Il a dit non. Allah, il ne va pas te pardonner. Et ça, les enfants, on voit qu'il est important d'apprendre sa religion. Regardez cet homme, il adorait beaucoup Allah, mais il n'avait pas appris. Il ne connaissait pas la religion comme il se faut, comme il se doit. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Alors vous savez ce qu'il a fait cet homme? Il a dit, ah d'accord, Allah ne va pas me pardonner. Eh ben, il a tué. Donc cet homme, il a tué combien de personnes? 99 plus 1? 100. Il a tué 100 personnes. Ensuite il a été voir les gens, il a dit c'est qui le plus grand savant sur terre? Et là les enfants, on en tire comme leçon. Il est très important de connaître nos savants. Il est très important d'écouter nos savants, les enfants. Parce que les savants musulmans, ce sont les héritiers des prophètes. Ils ont pris la science que les prophètes ont laissée. Et c'est pour cela que regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les histoires que je vous raconte. Comment je les connais C'est parce que je lis les livres des savants. Si les savants ne nous auraient pas transmis, moi je n'aurais pu rien vous raconter parce que je ne suis pas un savant, parce que je ne connais rien de la religion à part ce qu'Allah Ta'ala nous a donné et à part ce que les savants nous ont transmis. C'est pour cela les enfants, on doit connaître les savants. On doit connaître nos savants. Et, et il est important, des fois, d'écouter, de, des bah toujours même, mais des fois, de demander à vos parents de vous faire connaître les savants musulmans. Et il y a plein de savants. Je vais vous en citer quatre. Retenez-les, mais il y en a plein. Et demandez à vos parents qui vous les en enseignent. Le premier que je vous cite, c'est Abu Hanifa. Répétez, Abu Hanifa. Le deuxième. Malik l'imam Malik, le troisième Al-Shafi'i, l'imam Al-Shafi'i. et le quatrième Ahmad l'imam Ahmad et aussi celui qui veut connaître la vie de l'imam Ahmad il y a aussi une conférence que j'ai donnée pour les adultes sur la vie de l'imam Ahmad donc cet homme il a été cherché les savants il a été cherché les il a été cherché, qui est le plus grand savant de cette époque. Alors, ils lui ont dit, ils lui ont dit d'aller voir, d'aller voir telle personne dans tel pays. Il y a des gens qui adorent Allah Azzawajal. Alors, il est parti. Il s'est mis en marche. Et lorsqu'il a, donc, il s'est mis en marche. Pourquoi? Pour aller chercher le pardon. Pour aller rencontrer les savants. Et sur la, sur la route, qu'est-ce qu'il s'est passé Sur la route, il est mort. Arrivé à mi-chemin, arrivé au bout du chemin, il est mort. Alors, les anges de la miséricorde, les anges qui accueillent les âmes, ils sont venus. Mais les anges qui viennent pour accueillir les âmes des... De ceux qui vont aller en enfer, ils sont venus aussi. Alors certains, ils ont dit, mais non, ils voulaient aller demander le pardon. Donc il devrait aller au paradis. D'autres, ils ont dit, non, il a tué 100 personnes. Il n'a pas encore demandé le pardon. Donc il va aller en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont disputés entre eux. Alors Allah Azza wa jal, Allah Tabaraka Wa Ta'ala, il a fait venir un ange sous l'apparence d'un être humain. Donc c'est ça les enfants qu'il faut retenir de cette histoire. C'est qu'Allah, il a envoyé un ange. Il a fait venir un ange sous l'apparence d'un être humain. Et cet ange est venu. Et est-ce que vous savez ce qu'il a fait Cet ange, il est venu. Il a fait le juge entre les deux. Il a fait les ju le juge entre les deux. Il a fait le juge entre eux. Entre eux. Et il a dit, mesurez la distance. Est-ce qu'il est plus proche de la terre où il a causé le mal Ou est-ce qu'il est plus proche de la terre où il a causé le bien Alors, s'il est plus proche de la terre, qui a causé le mal, il ira en enfer. S'il a été plus proche de la terre qui a causé le bien, il ira au paradis. Et ils ont mesuré et ils ont vu qu'il était plus proche de la terre où il a fait le bien. Et Allah Ta'ala ta a ordonné aux anges de la miséricorde de lui retirer son âme. Donc on voit les enfants qu'il est important de faire des bonnes actions. Il est important de faire sa prière. Il est important de demander à Allah Azzawajal, le pardon pour nos péchés. Il nous reste une seule histoire, les enfants. Et le cours est terminé. Et cette histoire, elle est très, très importante. Cette histoire est très, très importante. C'est l'histoire des trois, des trois personnes parmi les enfants de Israël. Écoutez cette histoire magnifique et ensuite je je vous laisse. Moi, j'aime bien rester avec vous les enfants. J'aime bien vous raconter des histoires. Mais c'est vrai, des fois, je suis long. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, bien que cette histoire, euh, elle mérite que l'on prenne notre temps. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté, il nous a dit que parmi les enfants d'Israël, donc un peuple qui était bien avant nous, les Banou, répétez Banou, Banou, Israël, Banou, Israël, Israël. Les enfants d'Israël, parmi eux, il y avait trois hommes. Mettez votre, votre doigt en faisant le signe du 3. Le premier, c'était un lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui a une grave maladie. C'est, c'est quelqu'un qui a une grave maladie. Une maladie de la peau. Le deuxième, c'était un aveugle. Il ne voyait pas. Et le troisième, il était chauve. Il n'avait pas de cheveux. Et Allah Azzawajal, il a décidé d'éprouver ces trois personnes. Alors Allah, il leur a envoyé un ange. Et cet ange, il est venu comment? Sous l'apparence d'un homme. C'est-à-dire qu'il ne savait pas, il ne savait pas que c'était un ange. Donc tout cela nous prouve, le titre de la leçon, que les anges peuvent se, euh, se, se, se prendre la forme d'un homme. Alors le premier, l'ange, il est venu au lépreux. Il lui a dit « qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Il lui a dit, moi, ce que j'aime le plus, c'est d'avoir une belle peau, d'avoir une belle couleur. Alors l'ange, il a mis sa main sur sa peau. Et l'homme, il est devenu très, très beau, avec une nouvelle peau. Il a guéri de sa maladie. Ensuite, il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus Il lui a dit, j'aime les chameaux ou j'aime les vaches. Alors il lui a dit, alors l'homme, il lui a dit, alors l'ange il lui a donné une chamelle, une chamelle qui était pleine, c'est-à-dire qui avait plein de, qui, qui avait des bébés prêts à, à accoucher. Et lui a dit, c'est pour toi, elle est bénie. Imaginez, il était malade, il était pauvre. L'ange, il est venu, il a essuyé sa tête, il est devenu en bonne santé et riche. Ensuite, l'ange, il est parti voir le chauve. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il lui a dit, j'aime avoir des beaux cheveux. Alors, il a essuyé sa tête, et l'homme, il a eu des beaux cheveux. Et l'ange, il a fait ça parce qu'Allah, il lui a donné ce pouvoir-là, il lui a autorisé à faire cela. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il lui a dit, j'aime les vaches. Alors, il lui a donné une vache, il lui a dit, tiens, c'est pour toi, elle sera bénie. Ensuite, il est parti voir l'homme qui est aveugle. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Il lui a dit, j'aime. Qu'Allah me rendre la vue pour que je puisse voir les gens et ça les enfants on doit remercier allah d'être en bonne santé on doit remercier allah pour avoir allah il nous a donné des yeux c'est 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 plus important que toute la richesse de ce monde alors il lui a dit qu'est-ce que tu aimes le plus j'aime voir les gens alors l'ange l'a a touché et il lui a allah il lui a rendu la vue ensuite il lui a dit qu'est-ce que tu aimes le plus il lui a dit j'aime beaucoup les moutons alors, il lui a donné une brebis. Une brebis qui était prêt, prête à mettre, à mettre bas, c'est-à-dire à avoir des, des enfants et des bébés. Et les trois, ils sont devenus riches, ils étaient en, en bonne santé. Le premier, il y a une vallée remplie de chameaux. Le deuxième, une vallée remplie de vaches. Le troisième, une vallée remplie de moutons. Mais. Allah, des fois, il nous éprouve par la maladie, mais il nous éprouve aussi par la santé. Il nous éprouve par la pauvreté, mais aussi par la richesse. Alors écoutez, l'ange, il est revenu. L'ange, il est revenu. Et il a été voir le, le lépreux. Mais le lépreux, il n'a pas reconnu. Il n'a pas, pas reconnu que c'était lui. Parce que l'ange, il a pris l'apparence d'une autre personne. Vous vous souvenez? dans avec Dihiel Kalbi ou avec le, 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 le prophète l'autre on a dit que les anges ils ont pris l'apparence d'un beau jeune homme alors là l'ange il a pris l'apparence d'un homme très pauvre très malheureux il est venu sur l'apparence d'un homme très malheureux et il lui a dit j'ai tout perdu au cours de mon voyage au cours de mon voyage et à part autre autre qu'Allah à part Allah je te demande donc je demande l'aide à Allah et ensuite après avoir demandé l'aide à Allah je te demande l'aide est-ce que tu peux m'aider alors le lépreux souvenez-vous qu'il était pauvre et maintenant il est devenu riche est-ce que tu peux me donner un seul chameau pour continuer ton mon voyage il avait plein de chameaux qu'est-ce qu'il a dit le lépreux il lui a dit non j'ai plein de choses à faire j'ai plein de il lui a donné des excuses etc il lui a pas donné alors qu'Allah il, il a été bon envers lui, mais lui il n'a pas il a pas été bon envers cet homme qui en réalité était l'ange. Alors l'ange il lui dit quoi Il lui dit je pense que tu ne m'as pas reconnu. Je pense que tu ne m'as pas reconnu. Tu étais pas c'était pas toi l'homme. Non il lui dit pardon. Je pense que je te connais. C'était pas toi l'homme qui était lépreux c'était pas toi l'homme qui était malade et qu'un ange est venu à lui et, et lui a dit ceci et ceci alors qu'est-ce qu'il lui a dit l'épreuve lui a dit quoi moi jamais c'est pas allah qui m'a donné tout ça c'est pas allah qui m'a donné tout ça mais en fait il a mécru il n'a pas reconnu le bienfait qu'allah il a donné sur lui il n'a pas reconnu le bienfait qu'Allah il a donné sur lui. Alors qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Si tu mens, Allah il va te faire redevenir comme tu étais. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, l'ange, il est parti voir le deuxième. Il est parti voir le chauve. Il lui a dit la même chose. Est-ce que tu peux me donner des vaches? Il lui a dit non, etc. Il lui a donné des excuses. Il lui a dit mais je te connais. C'était pas toi celui qui était chauve. Et Allah il a guéri. Et, il a... et tu étais pauvre. Et Allah t'a donné des richesses. Qu'est-ce qu'il a dit l'homme Il a dit non, c'est pas Allah qui m'a guéri, il n'a pas reconnu le bienfait d'Allah, il n'a pas reconnu le bienfait d'Allah Azzawajal, alors il lui a dit si tu mens, Allah il va te faire revenir comme tu étais, et ensuite il a été voir l'aveugle, il lui a dit je suis un homme malheureux, j'ai tout perdu pendant, pendant mon voyage, je n'ai personne à qui m'adresser sauf Allah, et ensuite à toi, s'il te plaît, je te demande par celui qui t'a rendu la vue de me donner une seule brebis pour que je puisse continuer mon voyage. Qu'est-ce qu'il a dit, l'homme aveugle? Il a dit, Allah, Allah m'a guéri. Allah m'a rendu la vue. J'étais pauvre et il m'a rendu riche. Prends ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Regardez comment il a reconnu le bienfait d'Allah Azzawajal. Prends tout ce que tu veux. Il lui a dit, Wallah, oh je ne te dirai rien parce que je te, je te donne tout pour Allah. Si tu veux prendre tout ce que j'ai, prends tout ce que j'ai. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? Garde ton bien, car Allah m'a envoyé pour que je t'éprouve pour une épreuve et Allah est satisfait de toi et Allah s'est mis en colère contre les deux autres. Voilà les enfants. On s'arrête là.

أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم